Haïti ou à l'étranger, quel que soit côté où vous suivez Radio Téléconscience Haïtienne sous planète là. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi à ce mardi 5 décembre 2023. C'est deuxième édition RTCH Info pour semaine là. Mais quelques points cap dominé actualité. Américain qui gagne origine haïtienne, Joseph Vincent admet journée mardi 5 décembre 2023 devant un tribunal fédéral dans Miami. Il était participé à un complot pour assassiner président Jovenel Moïse, selon le journal américain Miami Herald, qui souligne si spec la risqué pour passer tout reste la ville dans prison. Responsable combite là, José Mérilien. Qualifié comme théâtre, chita parlé en divers acteurs politiques ak nan société civile là qui t'a dû organiser nan jou ka vini la yo sou initiative émissaire CARICOM yo. Selon José Mérilien, CARICOM pa gen crédibilité pour permettre crise politique là résoudre. Plusieurs monde qui sorti dans différents communes dans département Latibonite manifesté journée mardi 5 décembre 2023 dans Saint-Marc. Objectif mouvement ça c'est pour mander autorité concernées yo prendre disposition pour couper gang dans Latibonite qui passe suspend si mais l'intérêt. Américain qui gagne origine haïtienne, Joseph Vincent admet journée mardi 5 décembre 2023 devant un tribunal fédéral dans Miami, il était participé dans complot pour assassiner président Jovenel Moïse, selon journal américain Miami Herald, qui fait connait suspect là risqué passer tout reste la ville en prison. Joseph Vincent qui gagne 58 l'année, c'est 4e suspect sur 11 qui ferme en prison États-Unis qui a avoué rôle dans la mort Jovenel Moïse, lui c'est tout premier citoyen américain qui d'accord il était planifié pour assassiner ancien chef l'État haïtien. Juge Martel Jean-Claude Cap instruit dossier assassinat bâtonnier Montferrier Dorval décidé à l'école sous dossier si là à cause autorité dans la justice refusé mes témoins nécessaires à disposition juge là pour bien traiter dossier là. Nous avons souligné Martel Jean-Claude pas premier juge qui décidera l'école sous dossier assassinat bâtonnier Montferrier Dorval à cause juge ça yo pas qu'a fait travail yo à cause yo pas gain moyen. Plusieurs monde qui sorti dans différents communes dans département Latibonite manifesté journée mardi 5 décembre 2023 dans ville Saint-Marc contre phénomène insécurité à qui la cause. Plusieurs milliers monde dans département couri quitter caillou manifestant yo qui fait connait yo besoin retourner la caillou mandé autorités concernées yo pour prendre responsabilité yo pour établir sécurité dans département Latibonite qui tourné yon foyer gang. Responsable combite là, José Mérilien qualifié comme théâtre, chita parlé en divers acteurs politiques ak nan société civile là qui t'a dû organiser nan jou k'ap vini la yo sous initiative émissaire CARICOM yo. José Mérilien qui fait connait CARICOM k'ap travail sous l'obédience États-Unis pas capable jouer rôle facilitateur nan crise haïtienne là, renouveler appel en faveur yon mobilisation populaire pour résoudre crise là. Responsable combite là, José Mérilien te nan micro Radio Téléconscience haïtienne. Il y a des patrons qui ont dirigé le sens et vous voulez, est-ce que la solution haïtienne à la crise haïtienne, c'est vraiment objectif CARICOM? Je ne connais que américain, c'est un patron et CARICOM et qui est américain, pas la faire solution haïtienne à la crise haïtienne, une solution que lui-même imposé considérer établir domination sur le pays. Qui donc, ça vous dit, crise qui est là, c'est une crise gonègue, c'est une crise complexe, qui demandait des réponses complexes, des réponses gonègues et des réponses réelles. C'est pour crise côté de Kafine faire pied se coller là-dedans. C'est où faites c'est où bien résoudre mais pas résoudre et pour résoudre là, faut qu'il prend route pour résoudre là et faut que c'est pas solution et tête en bas, c'est solution réelle qui doit bailler. Estricti politique réveil national pour souveraineté Haïti voye jeté proposition sorti crise émissaire CARICOM yo k'ap tenté depuis plusieurs mois permettre acteurs politiques yo joine yon consensus pour mettre yon bout nan crise politique k'ap ravager pays d'Haïti. Porte-parole réveil national pour souveraineté Haïti a Fedner Cerisier qui fait konnen Estricti a déjà écrit émissaire CARICOM yo pour partager des accords yo fait quoi c'est seulement yon solution entre haïtiens k'ap permettre résoudre crise la tout bon vrai.
Fedner Cerisier, c'est porte-parole Réveil National pour Souveraineté Haïti qui était dans micro Radio Téléconscience Haïtienne. Réveil National pour la Souveraineté d'Haïti salue les différents efforts consentis par les personnalités éminentes de la CARICOM qui priorisent la voie du dialogue avec certains acteurs politiques et organisations sociales afin de chercher à remédier à la crise haïtienne aiguë qui perdure. Il profite de l'occasion pour vous transmettre la proposition de sortie de crise ci-jointe. Ce document traduit l'essentiel de l'expression de la volonté du plus grand nombre. En fait, Réveil National composé de regroupements, partis politiques et d'organisations sociales précise clairement toute démarche visant le vrai déblocage d'Haïti à l'heure actuelle doivent tenir compte de la présence de tous les acteurs, entre parenthèses, les forces en présence sur l'échiquier politique, ce qui facilitera la bonne gouvernance du pays. Parallèlement, Réveil National anticipe pour vous informer de son regard attentif sur le projet de cadre de transition du GPE pour Haïti, qui est soumis aux protagonistes haïtiens pour appréciation. Vision intégrale pour reconstruction haïtienne lance appel en faveur d'un compromis entre Premier ministre haïtien Dr Ariel Henry, force vive dans société ya, à communauté internationale là pour y mettre un bout dans crise politique qui a ravagé pays d'Haïti depuis plusieurs années, selon coordonnateur général Vision intégrale pour reconstruction haïtienne Sonné Jean-Noël. Ariel Henry qui gagne 2 années dans tête pays ya montre incapacité pour l'hypothèse réponse à revendication population an, tant que sécurité et amélioration condition la vie. Sonné Jean-Noël, c'est coordonnateur général Vision intégrale pour reconstruction haïtienne qui est dans le micro Radio Téléconscience Haïtienne. L'en considéré arrêté ancien président Jovenel Moïse qui était nommé Ariel Henry premier ministre dans l'année 2021. L'en considéré article 148 et 149 constitution 1987 amendée qui baille premier ministre là délégation pouvoir pour diriger dans cadre absence présidentielle dans une période sortie 60 pour arriver 120 jours. L'en considéré PM Ariel Henry qui dépassait délai constitutionnel là qui c'est 60 à 120 jours. L'Elvin jouer rôle président dans cas article 148 à 149 là de l'année à 4 mois. PM Ariel Henry passé sous pouvoir, côté ces gangs qui ont fait et défait, augmentation inflation a monté bien haut, quantité de monde qui a mouru à grand goût, quantité de monde qui n'a pas allé à l'école, toute qualité ressources intellectuelles et main d'œuvre qui a quitté le pays parce qu'il semblait pas espoir, l'en considéré accord 21 décembre qui n'a pas abouti à 3 points importants. Qui était là dans yo 1 passer main dans la constitution 2 organiser élection pour nous arriver mettre un président tout neuf dans tête pays à 7 février 2024 et puis mettre camper un haut conseil de transition ACT et c'est seulement ACT qui arriver mettre camper sans aucune action concrète l'en considérer majorité parti politique dans pays à qui en connivence à gouvernement Ariel Henry en battable nan gérer intérêt personnel yo l'en considérer en pile parti politique qui pas dans gouvernement Ariel Henry qui pas ka mettre tête ensemble pour une proposition commune l'en considérer en multitude résolution communauté internationale là via conseil sécurité l'ONU prend sous pays qui pas ba résultat aller venir au dignitaire dans pays USA à émissaire CARICOM yo voyage acteur politique ak haïtien yo dans pays Jamaïque et plusieurs autres rencontres dans capitale là.
C'est sous notre ça, nous mettons yon bout dans la deuxième édition RTCH Info pour semaine là. Mais avant nous aller, rappel Titio. Américain qui gagne origine haïtienne Joseph Vincent admet journée mardi 5 décembre 2023 devant un tribunal fédéral dans Miami. Il était participé dans un complot pour assassiner président Jovenel Moïse, selon le journal américain Miami Herald, qui soulignait suspect la risqué pour passer tout reste la ville dans la prison. Responsable combat là, Josué Mérilien qualifié comme théâtre, chita parlé en divers acteurs politiques ak nan société civile là qui t'a dû organiser nan jou k'ap vini la yo sous initiative émissaire CARICOM yo selon Josué Mérilien CARICOM pa gen crédibilité pour permettre crise politique là résoudre plusieurs monde qui sorti dans différents communes dans département Latibonite manifesté journée mardi 5 décembre 2023 dans Saint-Marc objectif mouvement ça c'est pour mander autorité concernée yo prend disposition pour couper gang dans Latibonite qui pas suspend si mais l'intérêt c'est point ça yo ak divers lot nou te développé pour dans journal là merci pour fidélité ou capable suivre radio télé conscience haïtienne sur différentes plateformes tant que Facebook YouTube Instagram ak Twitter bonjour bonsoir tout le monde.